Et bien bonjour à tous, c'est Laurie, bienvenue pour ce 7ème épisode de Space Adventure. Et donc pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Alors j'ai pas vraiment, pour tout vous dire, j'ai pas vraiment avancé. Depuis la dernière fois, j'ai fait le live évidemment, mais j'ai pas vraiment eu le temps de préparer cet épisode-là. Alors je me suis dit, est-ce que je prends du temps ou pas pour le préparer ou pas, sachant que j'ai peut-être un risque de pas le sortir à temps, je ne sais pas. Donc écoutez, j'ai vu un petit peu ce qu'il nous restait à faire et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pas mal d'ellipses du coup. Pour qu'on avance un petit peu quand même, mais si vous voulez, j'avais un peu la flemme de préparer l'épisode, donc je me suis dit, bon, autant faire des ellipses, comme ça vous aurez pas. Ça aura pas un épisode avec rien dedans. Voilà, vous aurez des ellipses quand il y aura des trucs chiants à faire, donc voilà. Petite chose aussi, comme j'en ai ras-le-bol de pas avoir de musique sur ce jeu, je ne comprends pas pourquoi. Je me suis permis juste un truc, je me suis give, alors ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Je me suis juste give un jukebox. Un jukebox avec avec des disques que j'ai mis tout simplement ici. Alors je me suis gif pourquoi? Parce qu'en fait simplement, je crois que pour faire une jukebox il faut des diamants, si j'ai pas de bêtises. On va regarder d'ailleurs. Il me semble qu'il faut des diamants, c'est ça. Donc je n'en ai pas encore de diamants. Ce qui fait que je peux pas le faire maintenant, mais j'avais besoin absolument de ce truc. Donc écoutez, au pire on s'en craftera un, hein, et comme ça on dira qu'on aura fait un. Mais voilà, donc j'ai pris des disques, je me suis givé aussi. Je ne me suis évidemment pas fait chier à aller chercher les disques. Comme ça va me permettre un petit peu de pas avoir à attendre que la musique arrive, parce que c'était vraiment vraiment casse-couille. Donc je la mets. Alors non, celui-là est nul. Celui-là. Voilà. Celui-là est très bien. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Donc j'ai remarqué un petit peu en off qu'il y avait des choses intéressantes qui s'étaient débloquées depuis la dernière fois. Notamment. On va baisser la musique par contre parce que ça va être un peu fort pour moi. Voilà. Ah non, je suis con, c'est jukebox, voilà, c'est pour ça. Hop. Voilà. Donc en clair, ici, qu'est-ce qui s'est débloqué? Qu'est-ce qui s'est débloqué? Alors pourquoi j'ai une réputation? Je sais pas pourquoi il y a marqué ça, je sais même plus si c'était là ou pas. Donc au niveau des quêtes, on en est où? Au niveau des quêtes, il faut qu'on avance sur un peu tout ça. Pour le moment, je ne peux pas faire ça. Enfin, je pourrais, mais je ne peux pas vraiment, entre guillemets. Là, il me faudrait. Ça, je l'ai fait. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai eu la reward? Oui, j'ai eu la reward, hein, bien sûr. Ça, je ne peux pas encore le faire parce que je n'ai pas de diamant. Donc, le plus gros problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas encore de diamant. Donc, ça, c'est un des problèmes. On peut récolter aussi de l'XP, etc. Donc, ça, on verra ça après. Et starting farm. On va pouvoir donc continuer ça aujourd'hui. Et on va pouvoir aussi continuer ceci, puisqu'on va devoir finir aujourd'hui le hammer. Donc, ça, je pense que je vais faire une ellipse pour vous finir. Parce que pour l'instant j'ai toujours j'ai le cast du hammer mais je n'ai pas les autres. Donc simplement il va falloir que je le fasse dans le plus grand des calmes et des respects. Mais aussi petite chose, j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau type de quête qui s'était débloqué, qui s'appelait machine et équipement, avec une quête Getting Power. Donc ça c'est une nouvelle quête. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai débloqué en ayant fait les quêtes précédentes. Ou si c'est pendant le live, je sais pas si vous avez regardé le live. À un moment je me suis dit ah merde, j'ai débloqué des achievements. Et je me suis demandé si c'était pas en débloquant les achievements que j'ai fait ça. Enfin bon, quoi qu'il arrive, ça a été débloqué. Et je peux donc crafter des nouvelles choses. Donc je vous propose peut-être qu'on finisse le hammer en iron. Puis qu'on s'attaque à ceci qui ne devrait pas être trop compliqué à faire. Je vais quand même regarder parce que si c'est un truc casse-couille à faire, je vais peut-être pas pouvoir faire là maintenant. Alors, call, générateur, c'est mieux comme ça. Voilà. Il nous faut du copper, simplement, de iron et un aluminium wire. Ok, donc c'est assez simple au final. Donc c'est assez cool. Est-ce que j'ai de la wool par contre? Je suis en train de me demander. J'ai pas beaucoup de wool. Au pire, il va falloir que j'aille un peu crafter. Pardon, pas crafter. Un peu, comment vous appelez ça? Un peu, pas miner, un peu farmer tout ça. Voilà, comment vous appelez ça? N'importe quoi. Des fois, je dis vraiment des conneries. Bon. Du coup, je voudrais juste finir aussi sur un dernier truc que j'ai vu. J'ai vu, donc Yasmi aussi qui m'a dit. Alors j'essaie de me souvenir de vos remarques. C'est vrai que des fois je dis que j'ai vu vos remarques, mais je dis pas lesquelles. Donc là, je vais essayer de me souvenir. Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit. Donc, je crois que c'était Yasmi aussi qui m'a dit. Va voir dans le cratère. Donc le cratère qui est là-bas, on a trouvé le copper. Hein, il doit y avoir normalement du diamant. Et tu pourras donc aller chercher de la Skystone. Donc la Skystone, c'est le truc qu'on a vu. Et apparemment, comme j'avais dit, il y avait un coffre en dessous. Donc le problème c'est que je suis allé voir effectivement s'il y avait du diamant, je me suis dit ouais c'est pas con, et il n'y en avait pas. Donc malheureusement, eh bien c'est faux, tout simplement, donc je ne peux pas le faire maintenant. Dans tous les cas, moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer à farmer le hammer, voilà, même si j'aime pas trop faire des ellipses, parce qu'en fait je trouve ça c'est chiant de faire des ellipses à chaque fois. Enfin c'est moi au montage, après ça me prend du temps et tout, bon c'est pas grave, je fais ça pour vous. D'ailleurs le disque s'est arrêté, on va le remettre.
Donc voilà, écoutez, je vous retrouve du coup après une petite ellipse quand on aura de quoi faire le hammer, donc à tout de suite. Ok, c'est bon, moi j'ai tout ce qu'il fallait, en fait c'était assez simple, j'avais déjà ce qu'il fallait, j'ai même pas besoin de la recrafter. Apparemment je me suis dit, mais en fait si je fous ça là-dedans, qu'est-ce que ça va faire? Si je fais couler par-dessus, ça va rien faire. En fait si, ça fait deux couches en fait simplement. Donc c'est bon, j'ai ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Maintenant il faut que je crafte les... Donc pattern c'est bon, les casts c'est bon. Et maintenant, il faut que je fasse donc les iron parts simplement. Donc là, il va falloir que je fasse cuire simplement de l'iron. Donc là, ça va être tout con. Bah, il suffit que je foute alors la question, c'est est-ce que j'en ai encore de l'iron? Je ne sais plus. Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus. Si j'en ai, c'est bon. Ok, donc je vais le faire cuire. Tac. Limite, j'hésite. Est-ce que je vous fais une hélice maintenant ou pas? Je ne sais pas. Écoutez. Alors, je sais plus si en le mélangeant, ça fait un truc. Écoutez, attendez. On va voir. Normalement, ça devrait être assez rapide. Donc, on va regarder ça. Ok, c'est bon, c'est en train de faire. Donc, attendez. Normalement, si je fais cuire là-dedans, je sais plus si ça va mélanger avec le bronze ou pas. Il me semble pas. Normalement, c'est bon. Ça devrait aller. Et je pense que ça sera suffisant. Je vais pas faire d'ellipse, ça sert à rien pour ça. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà, alors faut que je me souvienne aussi du coup, comme bon, j'ai le chronomètre, mais il faut que je me souvienne de quelle partie a fait tel temps. Parce que si après j'additionne et que le tout fait pas 30 minutes, ça va pas le faire. Voilà, c'est un peu ce qui est compliqué. Mais je sais que voilà, je fais des efforts. Vous m'avez dit, fais des ellipses. Je fais des ellipses, voilà, c'est peut-être mieux pour vous, c'est vrai. Moi, comme ça, j'ai pas forcément besoin de préparer les épisodes, mais c'est un peu ce que fait Fuse en fait. Si les Fuse, alors je sais que je parle beaucoup de Fuse dans les épisodes, mais parce que je sais que c'est un bon repère et c'est un bon exemple. Lui, ce qu'il fait, c'est que justement, bah, il prépare un peu les épisodes, mais il fait beaucoup de trucs en... Enfin, il fait beaucoup d'ellipses en fait, simplement, comme ça, celui-ci, ça lui permet après d'avoir plusieurs parties et de pas avoir à faire un seul bloc d'un coup, en fait, simplement. Alors, donc, normalement, ici, si j'ai pas de bêtises, alors, qu'est-ce que j'ai fait cuire le bon, là? Je crois que j'ai fait une connerie, non? Non, c'est bon. J'ai l'iron, donc attends, je vérifie que c'est bien ça. Ok, donc j'ai un truc en iron, il me faut un truc. Ensuite, le truc en hammer, donc attends, on va d'abord faire le large plate. Ah, je vais pas avoir assez. Ouais, c'est ça, en fait, il en faut beaucoup. Donc, on va faire ça, écoutez, en attendant, je vais aller chercher les trucs. Donc tac. Donc il faut que je prenne ceci. Alors oui, je voudrais juste vous dire un petit truc. Alors en fait, ça va être compliqué, je m'en rends compte, parce que je vais avoir. En fait, oui, je profite de ces moments où on n'a pas grand-chose à faire pour vous dire des trucs importants. Attends, qu'est-ce que je cherche? Oui, je cherche ça en fait. Voilà. Vu que, en fait, pour ceux qui savent pas, je suis en vacances. Hein. À partir de demain, donc je suis en stage pendant un mois. Et en fait, comme c'est un stage, bon bah j'ai des horaires fixes, ce qui fait que je ne peux pas me permettre de tourner vraiment en semaine, enfin je peux, mais genre à des heures assez tardives, et j'aime pas trop tourner à des heures trop tardives. Ce qui fait que je devais certainement pouvoir tourner que le week-end, malheureusement. Et donc par conséquent, il y a de grandes... Je sais pas si j'arriverai à tenir un rythme de deux épisodes par semaine. Je vais essayer, pour vous, mais je ne vous garantis absolument rien. Mais voilà, déjà écoutez, ce qui pourrait être cool à la place, c'est si j'arrive à faire des... Ça dure 4 semaines du coup, hein, donc voilà, ça sera peut-être juste pendant que 4 semaines. Si par contre, qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, non, c'est bon, ok, j'étais en train de me dire what the fuck, les amis, quoi. Et normalement, ah, ça va pas être bon encore. Ah, et ça prend vachement en fait. Ah, bah oui, parce qu'il fait tout cuire en fait. Est-ce que c'est peut-être que si j'en mets qu'un seul, ça marchera? Enfin, bon, c'est pas grave. Du coup, ce que je disais, c'est qu'à la place, ça se trouve, je ferai. J'aurai sans doute des lives que je rediffuserai un peu comme j'ai pu faire sur. C'est bizarre en fait, j'ai l'impression qu'il faut. Material cost 3. Ah non, 8 en fait, donc c'était bien ça, 6, 6, 8. Donc, en fait, je suis tombé pile sur les trucs. Et là, il m'en faut combien? Il m'en faut 8. Ah oui, il m'en faut 8 encore. Ok, bon, bah, j'ai pile ce qu'il faut. Bon, très bien. Et après, donc, il faudra que j'aille vraiment. Je pense qu'on va s'attaquer. Je pense. Enfin, vraiment que j'aille chercher du diamant. Il faudra que je farme et tout. Je sais même plus si j'en avais en dessous ou pas, je sais plus. Alors, on va pas redescendre parce que c'est un peu long, mais une fois que j'aurai le diamant, je vais pouvoir débloquer pas mal de quêtes. Donc, notamment, si j'ai pas de plaisir, je vais pouvoir débloquer ceci. Je vais pouvoir débloquer ceci. Je vais pouvoir débloquer. Le Nether Portal, enfin je vais pouvoir vraiment débloquer beaucoup beaucoup de choses. Et après on s'attaquera à ceci, au Matok. Donc pour ça il faudra que je fasse simplement en Matok qu'on pourra faire avec les blancs cast machin et tout. Donc ça à la limite, je crois que je pourrais le faire en... Je me demande si je peux même... Je crois que je peux même le faire en... Attends, est-ce que c'est précisé? Netherrack. Slime. Est-ce que je peux le faire en stone? C'est ça que je me pose comme question. Hardite. Parce que, voilà, en fait, tous les manilium, etc., ça faudrait que j'aille dans le nether. Je peux le faire en copper. Je pourrais le faire en copper, donc ça sera peut-être mieux que de l'iron, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Écoutez, normalement, là, c'est bon. Toujours pas. Ok, en fait, c'était là-dedans, voilà. Bleu bronze. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? What did I do? Non, c'est bon. Ok, donc là, normalement, c'est bon. Ça devrait remplir.
Et donc, normalement, juste ce qu'il faut, je pourrai enfin crafter le truc en iron. Ça nous a quand même pris 10 petites minutes. Voilà, c'est bon. Je sais que sur Palladium, ça laguait tellement les le Tinker, son truc, c'était infâme pour jouer. Et normalement, c'est bon. Alors, attends. Iron Archplate, pourquoi il me dit qu'il ne l'a pas? Ok, bon, du coup, autant pour moi, en fait, j'ai juste pas vu, mais en fait, je sais pas si, enfin, peut-être que vous l'avez remarqué, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout fait gaffe, mais je trouve ça bizarre. En fait, il manquait juste un deuxième, en fait, il en fallait deux des Iron Archplate, donc c'est pour ça que ça marchait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Du coup, bah, j'ai dû aller refermer de l'Iron parce que j'en avais plus du tout. Donc, j'ai juste fait un peu d'Iron, ils sont en train de cuire, mais là, j'en ai déjà mis du coup, j'ai mis ce que j'avais, voilà, comme ça, ça allait plus vite. Je les mets, et là, normalement, du coup, si on fait que couler. On devrait avoir validé la quête, normalement, enfin validé la... pas fini, je pense qu'après il faut le crafter tout simplement. Et là on aura vraiment validé la quête, donc je pense qu'on aura bien débloqué un bon truc, je pense. Donc voilà, normalement là c'est bon. Et non, voilà, là on est bon, très bien. Et du coup, Building the Iron Hammer, très très bien. Pourquoi il y a marqué 100% d'ailleurs? Non, c'est pas... non, pourquoi il y a marqué 100%? Je ne sais pas, pourtant j'ai pas de Iron Hammer, mais bon c'est pas grave. J'en ai pas utilisé un en... Ah, vous savez pourquoi? Parce que je crois que quand j'étais en créatif, quand j'ai fait la... Vous savez, le truc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Quand j'ai commencé à creuser, j'ai creusé avec un hammer, et je crois que j'ai utilisé un iron hammer, c'est pour ça. Mais on sait pas, de toute façon, on va quand même en faire un, il nous en faut un, hein, de toute façon. Donc, voilà, du coup, bah, écoutez, on a tout ce qu'il faut. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que là, j'ai pas tout validé? À moins que j'ai déjà eu la... Ah non, faut que je... Non, pardon, excuse-moi, en fait, faut que je choisisse une des rewards. Donc, soit un quart de cœur, soit un diamant, soit de l'émeraude. Écoutez, je prends un quart de cœur. Voilà, claim reward. Voilà, je sais pas encore exactement à quoi ça sert. On va juste aller déposer ça. Je vais vider un peu mon inventaire et on va regarder du coup les nouvelles quêtes qu'on a obtenues. Donc, tac. Alors, non, ça, c'est vrai que ça se met pas là-dedans. Je garde le hammer sur moi, du coup. Ainsi que les deux quêtes, ils étaient où le... Voilà, ils étaient là, le quart de cœur. Bon, j'en ai deux, je sais pas, on verra bien ce que c'est. Et du coup, normalement, c'est bon. Ah, d'accord. Getting Armed et Creating Heavy Duty Tools. Ok. Donc là, on a des nouveaux trucs à faire. Donc, on va regarder ce que c'est. Et il y a ça, c'est quoi du coup? Un gun. On va regarder du coup comment ça se craft les deux. Mais je pense qu'on va s'attaquer plutôt au co-générateur, à mon avis. Parce que j'avais envie de faire un petit peu la nouvelle branche, on va dire. Donc, Laser Gun. Comment ça se craft? Compressé Titanium Dash. Ah non, ça va être un peu long à faire, donc on fera pas ça aujourd'hui. Et alors le... comment ils appellent ça, le AV, c'est ça? AV, donc ça, il nous faut du Compressed Steel. D'accord. Donc pour faire du Compressed Steel, il nous faut des compresseurs. Ah, est-ce que le compresseur, ce serait pas le Coal Compressor? Non, le Coal Generator, je sais pas. Comment ça s'appelle, compresseur? Il faut un compresseur, alors attendez, comment ça... Hop, compresseur. Compresseur, ça va être plus rapide. Compresseur, voilà, comme ça c'est mieux. Oxygène compresseur, électrique compresseur, juste compresseur. Et là il nous faut une anvil, basique, coiffeur, c'est quoi bon. Il y a plein de trucs, donc écoutez les gens, je pense pas qu'on va s'attaquer à ça aujourd'hui. On va plutôt, comme j'ai dit, s'attaquer au call generator. Mais je me suis dit qu'aussi on pourrait peut-être faire le truc là. Est-ce que j'ai le temps de le faire ou pas? Ce truc là, le... Pardon, j'arrive pas à vous montrer. Là-dedans, voilà, getting started. Je voudrais faire ceci là, le Mattock, mais je sais pas s'il me faut des trucs genre. Qu'est-ce que j'ai comme truc? Qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'aluminium brass, donc ça c'est pas possible. J'ai du bronze, il me faudrait du copper en fait, simplement. Attends, je regarde un petit peu comment je le craft ça. Il nous faut donc une tête de pioche, une tête de pelle et un stick. Bah écoutez, moi je dis pourquoi pas. Écoutez, je vais le crafter, on se retrouve là et ensuite on termine. Une fois qu'on l'aura fait, on pourra commencer à faire le call générateur. Donc voilà. Donc à tout de suite. Ok, c'est bon. Bon, j'ai dû refaire des casts, etc. pour les autres trucs. J'ai donc fait ça en copper. Vous voyez, j'ai juste simplement rajouté du copper. J'ai beaucoup de copper d'ailleurs. J'en ai peut-être mis un peu trop. Du coup, normalement, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Tac. Voilà. Et normalement, on est bon. On a le copper matox. Donc c'est très bien. Alors qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec du coup? Après, il veut qu'on fasse donc simplement. Bah, du pain, tout simplement du pain, c'est tout con en fait. Mais est-ce que j'en ai pas déjà du pain? Je ne pense pas, j'ai du blé mais je pense pas que j'ai de pain. Donc malheureusement, bon, au moins l'avantage c'est qu'avec la matoc maintenant on va pouvoir tout simplement faire des, je suppose, des plantations sans trop s'emmerder.
Est-ce que j'ai ce qu'il faut? J'ai pas, si j'ai du blé, mais j'ai pas suffisamment, il m'en faut 10, c'est ça? Il m'en faut 10, donc je vais pas avoir assez, je vais pouvoir faire 2, mais pas suffisamment. Alors est-ce qu'il me reste encore des seeds? On va peut-être juste tester la matoque pour voir, et ensuite on s'attaquera au co-générateur. Ah, par contre, j'ai entendu des bruits d'explosion. Alors, pas chez moi, évidemment, mais dans le jeu, simplement. Donc, oui, ça marche très très bien. Donc, ça, c'est cool. C'est une très très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que du coup, on va pouvoir faire des jolis petits trucs. Donc, ça, c'est très très bien. On va peut-être même d'ailleurs en faire une bonne ligne. Autant en faire beaucoup, comme ça, on a. Bah non, en fait, j'ai même pas de quoi faire à ça. Donc, en fait, je suis con. Hop, ouais, hop. Tac. Voilà. C'est bon, et alors normalement je pense pas que j'ai assez, mais on va quand même, dans le doute, tout enlever. Mais je ne pense pas avoir assez, non, j'ai 13. 13 plus les 6, donc ça me fait 19, donc ça ferait 6, 6 bread. Après je pourrais juste... Ah, est-ce que j'ai pas des bonnes mille par contre, juste je suis en train de me demander. Est-ce que j'aurais pas tout de même des bonnes mille? Je ne pense pas, non, non, j'aurais vu. Bon, ça commence déjà à être à nouveau la merde dans mes coffres. Alors juste si j'ai pas de la bonne mille. Mais je ne crois pas. Non, non, j'ai pas ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est déjà pas mal. Je vais juste ranger un petit peu les coffres, vite fait, parce que c'est un peu le bordel. On va pas se les cacher. On va ranger par ce truc comme tout. Ça range bizarrement quand même. Tac, d'ailleurs, on va se ranger ça comme ça. C'est bon. Je vais re-ranger le copper. Je re-range ceci. Voilà. D'ailleurs, sache que je peux pas les foutre dedans. Je sais même pas d'ailleurs. La matoque, je la garde avec moi. Non, d'ailleurs, je vais peut-être même la foutre dans les objets de. Le truc de 4 d'ailleurs, la musique de Minecraft s'est arrêtée, je vais mettre un autre disque. Voilà. Bah j'ai remis le même que tout à l'heure, je crois. Oui. On va mettre celui-là plutôt. Voilà. Non, c'est bizarre ça. On teste. Non. Très très bizarre hein, ce disque. Voilà, très bien. Donc on a ça. Je vais juste aussi ranger les trucs de Tinker's Construct. Par contre, là, c'est vrai que c'est un peu la merde. Tac, et je vais ranger le blé ainsi que les... Mais si, ils étaient là en fait mes trucs, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Attends, ah, moi je les ai pas... Oui, non, je suis con, je les ai juste pas replantés. Je vais juste reprendre ma matoque pour pouvoir les planter. Donc voilà, donc du coup, co-générateur. Donc co-générateur, si je me souviens bien, c'est de l'aluminium. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça pousse assez vite. Hein. Bon, c'est pas grave, on s'occupe pas de ça. On avait dit qu'on s'occupait du co-générateur, on est à peu près à un quart d'heure de vidéo. Donc voilà, donc ça c'est fait, ce qui fait que maintenant, donc call générateur, donc on avait dit, donc il nous faut du copper, donc ça c'est bon, il nous faut de l'iron ingot, ça c'est bon, il nous faut de furnace, ça c'est bon, et il nous faut de la wool, donc je n'ai pas de wool, donc je vais devoir partir en expédition de wool, et de l'aluminium, bien évidemment. Du coup écoutez, je pense que je vais partir, je regarde quand même si j'ai pas de la wool, hein, mais je pense pas, ouais, non j'ai qu'un seul, donc ça va pas du tout le faire. J'ai pas de fil d'araignée, j'ai rien du tout, donc voilà, bon écoutez, du coup je vous retrouve une fois que j'ai récupéré tout ce qu'il faut pour faire le co-générateur, donc à tout de suite. Ok, donc en fait j'étais en train de rentrer, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire au début de l'épisode, mais en fait c'est vrai qu'il y avait une... à côté du cratère, simplement, il y a une sorte de grosse grosse crevasse, d'ailleurs il y a un mob qui vient de me voir. Il y a une espèce de grosse crevasse avec plein de d'Orberry Bush, etc, donc faudra que j'aille voir vite fait. Peut-être la prochaine fois, parce que je pense qu'il y a des trucs assez intéressants à aller voir, par contre j'ai plus beaucoup de bouffe. Et je me suis fait attaquer par quelques squelettes. Par contre, j'ai aussi reçu un nouveau chapeau. Alors, par contre, on va regarder ça peut-être en rentrant. Donc voilà, j'en profite juste de passer par là pour vous montrer. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme crevasse. Il y a plein de petits bush comme ça. Et je vous rappelle qu'il y a une quête où il faut récupérer tous les types de bush. Donc, du coup, voilà, ça serait bien qu'on la complète cette quête-là. Et vous voyez qu'il y a une espèce de gros rassemblement de monstres. Alors, à chaque fois, je sais jamais trop. C'est ça qui est un peu bizarre si c'est dans les grottes ou pas. Donc là, effectivement, bon, c'est dans les grottes. Mais voilà, il y a quand même des trucs ici. Mais. On dirait qu'en fait il y a des mobs qui sont regroupés à certains endroits très particuliers. Et j'ai même vu des blazes chelous, enfin bon c'est assez bizarre. Donc voilà. Bon alors attention parce que là ils commencent à me courser ces couillons. Donc voilà, donc normalement c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai la laine. Donc normalement on devrait pouvoir crafter, j'ai juste pas fait cuire effectivement l'aluminium. Mais bon bah, je vais faire ça maintenant pendant que je suis en train de vous... Pendant que je suis en train de vous quoi, d'ailleurs, je sais même plus pendant que je suis en train de vous quoi. Ah si, je voudrais vous montrer le chapeau. Donc je vais juste, donc j'ai ça, je voudrais juste aussi, alors j'ai récupéré, normalement j'ai fait cuire de la bouffe, voilà, j'ai fait cuire de la bouffe. Je vais vous, hop, je vais faire cuire donc de l'aluminium, et donc il me faut du copper, enfin plein de trucs et tout, attends, je revérifie. Normalement c'est ça, c'est du copper, de l'iron. Ah, est-ce que j'ai assez d'iron? Normalement oui, c'est bon, j'ai assez d'iron. Et c'est ça, de l'aluminium, donc voilà, donc normalement c'est bon. Je vais faire cuire tout ça. Il est là mon iron, très bien. Et normalement il m'en faut juste 4. Parfait, très bien. Donc c'est parti. Ça et ça, je pourrais même faire d'ailleurs ceci pour aller plus vite.
Comme ça, on sera bon. Tac. Et normalement, voilà, ce sera fait. Comme ça, c'est bon. Et je vais juste du coup vous montrer le chapeau. Donc j'ai eu un sombrero, tout simplement. Il est pas mal, il est cool. Ouais, on va voir ce que ça fait. Voilà, attendez, on voit pas. Ah ouais, d'accord. Bon, écoute, on change de chapeau à chaque épisode, c'est comme ça. Hein. Mais c'est ça qui est bien quand tu vas te balader un peu, c'est que tu peux donc aller voir les chapeaux, ça, c'est marrant. Donc voilà. Donc normalement, ça devrait être plutôt bon. Je vais faire aussi le furnace. Normalement, là, c'est bon, j'ai déjà ce qu'il faut, donc plus besoin de s'emmerder. Tac, il me faut donc le cobblestone, voilà, ici. Donc c'est parti, on craft. Donc première chose, il me semble qu'il me faut donc ceci, le four. Ensuite, il me faut l'espèce d'aluminium machin. Donc pour cela, il faut que je fasse ça, plus ça et ça. Voilà, j'en ai... Ah bah c'est cool, ça me donne 6 d'un coup, donc ça c'est bien. Ensuite, il me semble que c'est 3 de copper comme ceci. Il me manque un d'aluminium. Il me manque un d'aluminium, c'est bon. Faut vraiment que je range les coffres parce que ça commence à être vraiment le bordel. Tac, puis... non, c'était pas l'aluminium, je suis con, c'est l'iron qu'il me fallait. Donc c'était deux d'iron comme ça, donc pas des boots, pardon. Comme ceci, le furnace, et ensuite on place ça là. Et voilà, c'est bon, j'ai le coal generator. Très très bonne nouvelle du coup. Je vais aussi, attendez, je vais déposer ma bouffe. Trop de trucs là, il y a beaucoup trop de trucs. Et je vais d'ailleurs aussi remettre un disque. Tac, je vais remettre celui qu'on avait mis. Donc voilà, j'ai le co-générateur, je sais pas pourquoi je vais là, en plus c'est le livre de quête que je veux, c'est celui-là, c'est bon. Attends, j'étais où? J'étais, je crois que j'étais à 10 minutes, donc là je suis en à 21 minutes normalement, si je dis pas de bêtises. Donc allez, donc ça on dit qu'on fera ça plus tard, donc moi je veux ceci. Ah j'ai... Ah oui, c'est ça, oui, ok, c'est bon. Ah, il y a beaucoup de trucs qui sont débloqués, ça c'est cool. Donc claim la reward, donc j'ai 5 aluminium one et pas mal de co, donc ça c'est cool. C'est vrai qu'il y a toujours la petite musique. Alors, fast traveling. Alors les téléporteurs, donc oh là là, ça va être l'air cool. Téléporteur frame, téléporteur, donc ça on verra ça après. Crafting de circuit fabricator. Donc il me faut un circuit fabricator, ok. Donc lava power. Unlock one quest elsewhere. D'accord. Donc ça je crois que je peux pas le faire maintenant. C'est bizarre quand il y a marqué ça en fait. Collect two white wool. Donc ça c'est bon. Voilà, il y a beaucoup de trucs. Bon, écoutez, il nous reste à peu près un peu moins de 10 minutes. On va essayer de faire peut-être le téléporteur si on y arrive, plus le circuit fabricateur. On va regarder déjà ce circuit fabricateur. Non, j'ai envie de regarder d'abord le téléporteur. Ça a l'air sympathique. Sympatoche, pardon. Oh putain, merde. Refine, obsidian, and good. Ok, donc ça a pas l'air d'être du tout bon. Parce que, ouais, c'est ça, il faut un osmium compresseur, donc ça va pas du tout le faire. Et là, steel casing. Donc du steel, ça c'est bon. Ah, ça a pas l'air trop complexe. De l'osmium, ça j'en ai. Du steel, ça j'en ai. Et de la glace, ça je peux en avoir aussi. Attends, est-ce que j'ai du steel? Je sais même plus. J'ai du lead. De l'osmium, donc ça j'en ai effectivement. Steel. Comment on fait du steel? Je crois qu'il faut mélanger des matériaux aussi, j'ai pas de bêtises. Non, c'est pas steel. Dark steel. Attends, steel. Putain, y'a pas juste steel ingot. Block of steel, si d'ailleurs ça, voilà, steel ingot, c'est bon. Et non, c'est du steel normal que tu trouves dans la nature. Ok, d'accord, et je dois en avoir quand même. Voir si c'est sous une forme particulière, je crois que c'est ça, non. Raw silicone, non. J'ai pas de steel, j'ai man of steel, bien sûr, ça c'est drôle ça. Non, je pense qu'il va falloir que j'aille en chercher. Ah oui, il y a le diamant aussi qu'il faut qu'on aille faire. Non, c'est pas ça que je voulais regarder. Et du coup, ils ont dit de faire un circuit fabricateur, c'est ça. Donc on va regarder ça aussi. Alors, circuit... Ah, il y a ça aussi. Ah, il y a un autre truc qui s'est débloqué. Super, ça. Oh, Starting Advanced Genetics. D'accord. Scrapper. Attends, il y a trop de trucs à faire. Je veux d'abord regarder ce que c'est que le circuit fabricateur. Donc, circuit fabricateur. Donc, on a dit que le téléporteur, on verra ça plus tard. Circuit fabricateur. Donc, ça, c'est cool. On va regarder ça. Circuit fabricateur. Alors, de l'aluminium, donc ça, ok, un levier, un bouton, des torches en redstone. Donc ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire aussi. Ah, par contre, j'ai pas de redstone. Non, parce que j'ai pas de redstone, et la redstone, je peux pas encore la prendre maintenant. Ah, si, mais attends, j'ai mon hammer, donc je peux le faire. Est-ce que je vous le fais en off, ça, ou pas? Je sais pas, je vais regarder aussi ce que c'est que le truc, là. Comment ça s'appelait, l'espèce de scrapper là, comment ça, je sais pas comment on dit ça en français, je
sais pas, c'est le scalpel, non, je sais pas, scraper. Stone rule. Ah, ça je pourrais le faire facilement en fait. Oh oui, ça je peux le faire maintenant aussi. Écoutez, je vais faire une petite ellipse, je vais récupérer tout ce qu'il faut pour faire le scraper et pour faire le circuit fabricateur, et on finit ça pour la fin de l'épisode. Voilà. On finit ça pour la fin de l'épisode, c'est simplement un peu honnête, bien sûr. Donc, à tout de suite. Ok, c'est bon, donc j'ai tout ce qu'il faut. Bon, d'ailleurs, je suis un peu con, parce que je crois que c'était des... Pour faire le scrapper, je crois que c'était des iron, tout le machin qu'il fallait. Mais en fait, non, c'était des stone, hein, simplement. Donc, du coup, bon, je les ai fait pour rien, c'est pas grave, ça coûte rien. Du coup, normalement, le scrapper, c'est bon. C'est ça, plus un d'iron. Voilà, c'est bon, on a le scrapper. Et on va directement faire le circuit machin. Donc, alors, c'est... Circuit fabricator, c'est celui-là. Donc, il nous faut... alors je crois qu'il y a un truc pour, si on fait ça, je crois que ça fait ça. Voilà, ici en fait on peut directement le mettre. J'ai oublié de faire le four, mais normalement j'ai tout ce qu'il faut, il faut que je laisse le bouton. Donc c'est parti, j'ai normalement récupéré de la stone, je sais plus, ouais, j'ai fait de la stone. Je crois que c'est ça qu'il faut faire pour les boutons, je sais même plus. Non, c'est ça, voilà, donc là, bouton. Ensuite le levier, je sais même plus comment faire un levier. Lever, c'est... Ok, ça simplement... Bambou, ok, c'est un stick avec un truc en machin là, donc c'est normalement ceci. On va y arriver, les gens. Je peux même d'ailleurs le faire dans mon inventaire. C'est ça, ok, c'est ça. Je crois que faut que j'en fasse deux. Tac, et il nous faut ensuite pour finir le furnace. Attends, c'est un furnace ou c'est un merde, je sais plus. Non, mais c'est pas le générateur qu'il faut en fait, c'est pas un furnace. Si, c'est un furnace, ok, j'ai rien dit. C'est bien furnace, tac. Donc je ne sais pas encore à quoi vont servir ces choses là, mais en tout ce qui est sûr c'est qu'en tout cas ça a l'air cool. Attends, t'es sérieux, je peux faire un stone stick sans passer par les... Ah non, c'est pas pareil, un stone stick, un stone tool rod, je sais plus. Je sais plus, parce qu'en fait normalement moi je suis passé par ça, mais en fait je crois qu'il n'y a même pas besoin. Voilà, ça part en couille. Donc normalement c'est bon, donc j'ai dit, donc circuit fabricator, c'est nickel. Et non, j'ai oublié de faire la torche en redstone. Et j'avais pris expressément mon truc pour ça. Voilà, j'ai un peu du mal là, hein, putain. Voilà, c'est bon. Donc là, normalement, c'est bon. On va arriver Zoldru. Donc je pose mon furnace ici. Je pose mes deux boutons là. Je pose mon aluminium ici. Je pose mon truc là. Je pose... non, j'avais posé mon livre de quête, hein, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Et normalement, c'est... Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, le lever. Le levier, pardon. C'est bon, j'ai mon circuit fabricator. Qu'est-ce qui s'est passé? For Galactic Craft Help. D'accord. Donc ça, c'est du Galactic Craft Core. Ok, donc ça, on s'en intéressera vraiment plus tard. En tout cas, le scrapper, c'est bon. Il faudrait du coup que je fasse des skin scales. D'accord, donc ça, il faudrait que je me renseigne sur ce que c'est, simplement. Donc ça, c'est bon. Et en tout cas, j'ai complété une quête qui est donc le circuit fabricateur, qui nous a donc débloqué ceci. Crafting Compressor. Et ça, ça nous serait utile pour d'autres quêtes, je crois. Hein. Il me semble que c'est ça, hein. Donc normalement c'est bon, et là je vais claim la reward, du coup c'est son nom des Avanced Wafer. Et pour faire un compresseur, on va juste regarder ça maintenant, et on va pouvoir s'arrêter là évidemment. C'est tout simplement ceci. Compresseur. C'est ça, il nous faut des basic wafer machin et tout, donc il faut que je récupère pas mal de... Il faut quand même que j'ai récupéré du... Comment ça s'appelle, du... De l'iron, parce que j'en ai plus beaucoup, et je regarde un petit peu juste les plantations. Non, j'ai pas assez pour finir l'objectif du pain. C'est pas grave, j'aurais bien voulu le faire maintenant, mais c'est pas grave. Du coup, épisode bien rempli, je suis content, parce que bon, certes, j'aurais eu beaucoup d'ellipses, parce que c'était important, si j'avais vraiment voulu faire les choses bien, entre guillemets, j'aurais préparé l'épisode, mais voilà, je trouve que c'est un peu des styles différents, on teste des épisodes avec ellipses, où on fait ça un petit peu en temps réel, et d'autres épisodes où en fait, je prépare l'épisode à l'avance, comme ça, on peut tout enchaîner d'un coup, et ça nous fait un rush d'une traite, simplement. Voilà, merci du coup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oula, il y a un bon bug de chunk. En tout cas, ça promet des choses vraiment très intéressantes. On se rapproche, je pense, à grands pas des simplement de l'exploration de l'univers, parce que ça a l'air d'être ici. Donc ça, il va falloir qu'on s'intéresse à toutes ces choses-là. Donc ça, on fera peut-être après. Je pense qu'en premier lieu, on va plutôt s'intéresser, peut-être pas à ceci, mais plutôt à... je crois que pour avoir ceci, il faut qu'on ait le compresseur. Donc on va vraiment faire ça en premier, je pense, en priorité. Puis on va essayer de récupérer peut-être du diamant, faudra que j'en trouve, parce que j'en ai toujours pas trouvé dans les grottes, je sais plus en fait si j'en ai vu ou pas. Je ne sais plus, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve donc, eh bien, soit mercredi, si j'arrive à tourner en avant, je pense que j'arriverai quand même à tourner l'épisode pour mercredi, soit la semaine prochaine, ou pour un nouveau live sur Space Adventure, ou pour une nouvelle vidéo d'ailleurs. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, le commentaire, le partage, ça fait toujours plaisir. A bientôt, c'était Zoru, allez, salut tout le monde.